une ce lundi. Aucun député national ne peut se prévaloir du statut d'un élu. La validation des mandats n'a pas encore eu lieu. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, les 26 commissions mises en place sont au travail. Contentieux électoraux, les arrêts seront rendus le 8 juillet prochain. Les audiences ont démarré aujourd'hui. La requête de Nsingi Poulou pourrait être déclarée irrecevable pour défaut de qualité. Celle de Colette Tchomba recevable, mais pas fondée. La Cour constitutionnelle a démarré son travail. Le pasteur Bokundo lance une alerte. Attention aux faux enseignements. Ce dernier alerte sur la manipulation de l'évangile à des fins inavouées. Le président de l'église du Christ au Congo invite les chrétiens au discernement. Vous allez le suivre dans cette édition d'information. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. On commence par la sécurité sur la ville de Goma. Toutes les dispositions sont prises pour maintenir la sécurité. Le président de la République a réuni le Conseil supérieur de sécurité ce lundi autour de cette situation. Selon Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, le Conseil a sollicité du commandant suprême la levée du moratoire sur la peine capitale pour des cas de traîtrise au sein des forces de défense et de sécurité. Patrick Michel Mukui. Le Conseil supérieur de la défense, qui s'est réuni autour du commandant suprême des forces armées et de la police nationale, le président de la République, a porté essentiellement sur les questions sécuritaires au niveau général du pays et particulièrement la situation qui prévaut au niveau du Nord Kivu. Là-dessus, un tour d'horizon a eu lieu sur les questions spécifiques militaires et opérationnelles qui se déroulent sur le théâtre des opérations au niveau de l'ensemble du Nord Kivu. Sur ce, le Conseil de la Défense, après avoir entendu toutes les parties et tous les commandants qui sont autour de moi aujourd'hui, a pu d'abord lancer un message au niveau de la population que tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber. Parce qu'il faut faire attention au niveau des réseaux sociaux qui alimente, et certainement l'ennemi doit être pour quelque chose, les réseaux sociaux pour créer une certaine peur, fragilité dans les esprits. Tout est mis en œuvre sur la défense de la ville de Goma. Deuxièmement, en ce qui concerne les différentes localités qui sont occupées par les forces rwandaises, également l'ensemble des forces armées sont en train de mettre tout en œuvre également pour pouvoir récupérer toutes ces localités occupées par les forces rwandaises. Et ça, le commandant suprême est très ferme là-dessus. Il a demandé que l'ensemble des dispositifs puissent être pris à ce sujet. En ce qui concerne également la question des réseaux sociaux, comme je le disais, je demande à la population de vraiment faire très attention. Parce que nous voyons des militaires qui sont en train de s'exprimer. Nous voyons des audios qui sont en train de circuler. Attention, attention, ce n'est pas la réalité. Les forces armées sont en train de faire un travail extraordinaire. Peut-être que nous ne le disons pas assez, mais vous devez savoir que l'ennemi subit d'énormes pertes également sur le territoire. Enfin, le Conseil supérieur de la défense a demandé au commandant suprême, au chef de l'État, de pouvoir lever le moratoire sur la peine capitale. En ce qui concerne les questions de traîtrise au sein des forces de défense et de sécurité. Voici les questions principales qui ont été discutées au niveau de ce Conseil supérieur de la défense autour du chef de l'État, le commandant suprême, des forces armées et de la police nationale. À la une encore ce soir, le débat autour des cumuls des fonctions ou incompatibilités est précoce. Et rien ne bouge, aucun élu provisoire n'a encore validé son mandat. 6 commissions sont mises en œuvre à l'Assemblée nationale et 4 sous-commissions sont à pied d'œuvre. Explication Sylvie Moyembo. Dikito. Les 26 commissions spéciales correspondant aux 26 provinces de la République démocratique du Congo déjà à pied d'œuvre. Ces différentes commissions ont pour mission d'examiner minutieusement et valider les dossiers de chaque député proclamé provisoirement par la Commission électorale nationale indépendante. Pour faciliter le travail, nous nous sommes éclatés en 4 sous-commissions, étant entendu que Kinshasa
est constitué de 4 circonscriptions. Alors, comme nous sommes nombre de 32 élus du Sud Kivu, 8 vont constituer chaque sous-commission. Et nous avons déjà commencé le travail. Nous avons commencé par le premier dossier et nous allons poursuivre le travail jusqu'à l'épuisement de l'ordre du jour. On ne devient député, quoique encore de manière provisoire, que lorsque le mandat a été validé par l'ensemble des personnes qui ont été proclamées par la CENI. Et cette validation de mandat est le premier acte que le bureau provisoire doit devoir poser. Donc tant que vous n'êtes pas encore validé, donc vous ne pouvez pas encore vous prévaloir du statut de député. Et je dois vous dire aujourd'hui que malheureusement, dans notre pays maintenant, donc du 29 janvier, depuis que l'ouverture a eu lieu, jusqu'à ce jour, on peut considérer que dans notre pays, il n'y a aucune personne qui n'a la qualité de député parce que tout le monde n'est pas encore validé. C'est donc très très important cette procédure de validation. Et lorsque les députés sont validés, ceux qui ont des fonctions incompatibles disposent de 8 jours pour choisir est-ce qu'ils veulent rester députés ou ils veulent rester dans les fonctions qui sont les leurs actuellement. Si dans les 8 jours, vous dites que vous choisissez pour votre fonction de ministre, de premier ministre ou de conseiller, en d'autres termes, vous avez renoncé définitivement à votre mandat de député et vous n'y reviendrez plus. C'est votre premier suppléant qui devient le véritable titulaire et le deuxième suppléant deviendra comme le premier suppléant. Au bout de 5 jours leur accordés pour accomplir ce travail, viendra l'étape de la mise sur pied par le bureau provisoire de l'Assemblée nationale d'une commission pour rédiger le règlement intérieur de cette chambre. Jean-Michel Samalou Kondé devant les investisseurs en Afrique du Sud, le Premier ministre a défendu et vulgarisé la vision du président de la République sur les mines lors de son intervention à la 30e édition du Mining Indaba 2024, travaux ouverts aujourd'hui. On fait le point avec Patty Tondwangu et Julien Piana. Aux côtés du président sud-africain Cyril Ramaphosa qui a ouvert ses 30e forums miniers et de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, le premier ministre congolais Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge a saisi cet instant pour non seulement présenter les opportunités d'investissement qu'offre la République démocratique du Congo dans les secteurs miniers, mais également pour expliquer la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en la matière pour son second mandat. La République démocratique du Congo renferme dans son sous-sol une panoplie de minéraux cruciaux pour la transition énergétique, tels que le cobalt, le cuivre, le lithium, le nickel, le manganèse, l'aluminium, les phosphates, les terres rares et le zinc, en sus les gîtes géothermiques. C'est donc dans ce contexte et suivant la vision de son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi que s'inscrivent nos politiques économiques et sociales dans le secteur minier, qui permettront d'atteindre une exploitation croissante et propre au profit des communautés locales, qui doivent en être les principales bénéficiaires. Je pense ici à notre jeunesse en quête d'emploi, et particulièrement les populations de l'Est, la République démocratique du Congo, victimes jusque-là de guerre et d'agressions injustes, et pour lequel aucun effort n'est ménagé afin d'y restaurer la paix et la stabilité. La 30e édition du Namba Mining, qui réunit les acteurs majeurs de l'industrie minière africaine pour discuter des tendances, des défis et des opportunités du secteur, a comme thème adopter le pouvoir du bouleversement positif, un nouvel avenir prometteur pour l'industrie minière africaine. Que la qualité de nos échanges ici à Mining Indaba 2024 permettra de concrétiser des projets communs d'envergure qui seront profitables à l'ensemble du continent africain. Mutualisons désormais sans ménagement nos expertises, nos richesses et nos talents pour une Afrique plus forte.
Selon le chef de l'exécutif national, la République démocratique du Congo poursuit courageusement l'implantation et le développement de la chaîne de valeur des substances minérales avec un accent mis sur la transformation locale des produits miniers marchands afin de répondre aux problématiques de l'économie verte. Une formation en cascade pour renforcer les aptitudes pédagogiques et méthodologiques des experts électoraux. À leur tour, ils vont concevoir des formations assurées dans leurs entités respectives, des modules assurés par l'école de formation électorale en Afrique. Cette école est basée à Kinshasa. Floribert Kinanga Moussachi. Depuis 15 ans, l'EFEAC, l'école de formation électorale en Afrique centrale, a initié sous le leadership de feu M. l'abbé Apollinaire Moulungu Malumalu, en partenariat avec l'Italie, pour la formation d'experts électoraux pour renforcer les capacités de la CENI et de l'EFEAC en matière électorale. Du 5 au 7 février, 30 apprenants justifiant un master en domaine des élections ont été retenus par le centre Sant'Anna Scola de l'Université de Pise en Italie pour une formation de formateurs qui s'étendra en formation en cascade. À ce moment où la RDC est à son quatrième cycle électoral, il est bien clair de comprendre et de conclure que la réussite de tout processus électoral passe par la maîtrise d'une très bonne formation. Cette formation a pour but de renforcer les compétences pédagogiques, didactiques et méthodologiques des participants pour leur permettre de contribuer à concevoir et à implémenter des cours de formation dans leurs institutions d'appartenance. Les participants sont constitués des personnes travaillant à l'EFEAC, à la CENI, au ministère congolais de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, de l'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que des organisations de la société civile. De la pension octroyée à la pension contributive, les retraités de la fonction publique vivent une amélioration du traitement et la couverture s'élargit sur l'ensemble du pays. Conclusion de l'évaluation du travail réalisé par la CNSAP en 2023. Nadine Futuka. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État continue à braver ces défis immenses de la gestion. Elle se transforme ainsi en une véritable machine au sein des entreprises publiques. C'est ce qui ressort de la réunion d'évaluation de ses activités annuelles de l'année 2023. Avec le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, les comités de gestion de la CNSAP ainsi que les experts de cette structure de l'État ont apprécié à sa juste valeur l'accroissement des chiffres quant aux activités annuelles sous examen, voire les indicateurs financiers. Du reste, une balance positive, grande a été aussi la satisfaction du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, et ses interlocuteurs sur l'avancement des opérations de contrôle des vies de retraités, le déploiement des agences en province et beaucoup d'autres secteurs d'appui au métier. Nous sommes venus recevoir les grandes orientations de la part du ministre de tutelle, le vice-premier ministre, concernant la marche de la caisse. La CNSAP est en pleine expansion et que nous avons besoin régulièrement d'obtenir des orientations de la tutelle pour marcher en symbiose avec le gouvernement de la République. Nous sommes sur ce calendrier-là, sur cet agenda. Et je crois qu'avec la rigueur que nous avons observée, le DG et moi, l'année passée, nous allons y arriver. Aux agents et fonctionnaires de la République, je leur demande de continuer à faire confiance à la CNSAP. Si hier ils avaient une pension octroyée aujourd'hui, elle est contributive et donc bien meilleure que ce qu'ils avaient à l'époque. C'est à quoi le directeur général du CNSAP, Junior Mata, et le PCA, Christian Tungola, ont reçu les félicitations de la tutelle. 32 500 francs congolais, c'est le prix d'un sac de 25 kilos de farine de maïs produite par le grainier de la République. Je fais allusion à la réserve stratégique. L'opération de mise en vente a été lancée à Kinshasa. On fait le point avec Alain Bikay. Les partenariats réserve stratégique générale de la République et Belégo produit déjà ses effets. Après la signature de ce partenariat, il y a quelques jours, les coordonnateurs généraux de ces services rattachés à la présidence de la République, Dadi Bidiafou, a procédé au lancement des ventes de farine de maïs
traités par les agents de ces greniers de la République. Selon Dadi Bidiafou, ce projet, en phase pilote à Kinshasa, se veut un cadre incubateur des coopératives agricoles et la lutte contre la pénurie des denrées de première nécessité. Pour se faire plusieurs coins de vente à des prix préférentiels de ces produits les plus consommés dans les ménages congolais sont ouverts à travers la capitale. C'est notamment à Bandal, Yolo Kapela, Massina Pascal et à Ngiringiri. Ce partenariat en sa phase expérimentale dans la ville de Kinshasa met à la disposition du public et à des prix préférentiels dans le cadre du projet renforcement des agriculteurs locaux. Et le prix pour un sac de 25 kg revient à 32 500 francs congolais. En revanche, ce prix assouplit l'accès à ces produits de base et sa consommation y est vivement garantie et souhaitée. En attendant la réouverture des hommes de l'Université de Kinshasa, les études sont en cours pour ouvrir les 26 autres points de vente à Kinshasa avant d'étendre cette opération dans d'autres coins du pays. Création d'emplois et diversification de l'économie, 20 zones économiques spéciales vont être créées à travers la République, affirmation du directeur général de la ZES, qui était interrogé par Betty Amanikunda et Patricia Ongou. L'agence des zones économiques spéciales est plus que déterminée à concrétiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de la création d'emplois et la diversification de l'économie. Pour ce, elle opte pour la création des ZES sous toute l'étendue de la République. Des affirmations du directeur général de la ZES, Ogui Bolanda Minga, l'année 2023 a été marquée par le lancement de la production des carreaux et faïences. L'agence des zones économiques spéciales compte par ailleurs installer les antennes provinciale de l'AZES à travers la République. Question d'assurer une bonne coordination des actions. Les zones économiques spéciales sont vraiment devenues opérationnelles. Comme la zone pilote a déjà démarré, que nous puissions aussi commencer dans d'autres provinces. Donc nous avons maintenant, avec le ministère de l'Industrie, le projet des zones de batterie, qu'en 2024 ainsi, que l'AZES puisse avoir un siège. Donner assez de ressources à l'AZES pour mener les études de présentation des zones économiques spéciales et lancer les ZES dans les provinces. La présidente du conseil d'administration, Joséphine Mbombo, a reconnu les performances annuelles de l'AZES. Le deuxième quinquennat du chef de l'État lui-même l'a dit que cette année, c'est une année